Opération dédiée à la collecte des déchets issus de la tabasquerie. À cela, l'UCG déploie un important dispositif pour assainir la ville. Vous savez, la période de Tabaski est une période de forte production de déchets au Sénégal. Donc nous avons simplement mis en place un dispositif pour accompagner les populations de la région de Dakar dans la collecte des déchets spécifiquement issus de la Tabaski. Ce dispositif a trois composantes. Une première composante constituée de caisses habituellement appelées caisses ben à ordures. Donc il y en a précisément 28 qui sont réparties dans les départements de Dakar, de Rufisque, de Pikin et de Guédiawaye. En plus de ça, nous avons déployé aussi 200 bacs, communément appelés les bacs à ordures, mais avec une signalétique propre dédiée à la collecte des déchets issus de la tabasquerie. En raison du contexte de crise, l'UCG prend les devants. Cette opération de nettoiement est aussi une manière d'anticiper sur la prise en charge des points de vente de moutons. Maintenant, ça c'est la phase préparatoire. Pendant la fête, c'est le dispositif que je viens de décrire. Et après la fête aussi, il y aura un dispositif de mécanisation qui va être mis en place pour éradiquer l'ensemble de ces points de chute qui viendront de ces points de vente de bétail. Donc l'appel qu'on lance, c'est de demander aux populations de mettre leurs déchets issus de la tabasquerie dans des contenants en sachet ou dans des bacs à ordures réglementaires et de venir les déposer sur les points de vente dédiés à cet effet. Malheureusement, nous n'avons pas la prétention d'être présents partout dans tous les quartiers. C'est une première pour nous. L'année prochaine, on essaiera de faire mieux, mais au moins, il y a une communication qui a été faite par la radio, par les différents médiums publicitaires pour inciter les populations à s'approprier ces points de vente et à éviter de jeter les déchets sur la voie publique. 2000 agents sont déployés pour cette opération. L'UCG lance également un appel à la conscience citoyenne avant, pendant et après la tabasquerie.